En 1971, Richard Nixon lance la guerre contre les drogues. Partout aux États-Unis, les mêmes scènes se répètent. Arrestations massives, saisies, peine de prison. Les soldats de retour du Vietnam sont systématiquement testés et sevrés. Premier producteur mondial d'héroïne, la France est dans le viseur de Washington. La mafia corse, pilier de la French Connection, est une cible prioritaire. Pendant 20 ans, ces filières corses ont prospéré grâce à un déni, grâce à une impunité, grâce à des protections. Et là, Nixon tape du poing sur la table. En France, on compte les premiers morts par overdose. La drogue devient un enjeu de santé publique. Pour le président Pompidou, la pression de Nixon arrive à point. Les services secrets échappent à tout contrôle. Il est temps de nettoyer les réseaux. Grâce à l'aide des Américains, qui envoient des machines, des voitures, qui prêtent du matériel, qui financent des opérations, eh bien, on va pouvoir démanteler un certain nombre de trafics et on va pouvoir mettre la main sur des vrais laboratoires clandestins. Washington prête à Paris des agents de sa nouvelle police antidrogue, la DEA. Spécialisée dans le renseignement, la DEA collabore aux enquêtes françaises. En 5 ans à peine, 3000 trafiquants sont appréhendés. Quelques chimistes de la mafia corse prennent la fuite. La French Connection est démantelée. La guerre contre les drogues de Nixon a été en un sens un brillant succès. Il a combiné la diplomatie au plus haut niveau et les activités répressives de la DEA pour concentrer toute la puissance des États-Unis contre les narcotiques. La première bataille est remportée. Mais au milieu des années 70, le marché des drogues explose partout dans le monde. La consommation atteint des niveaux encore jamais vus. Pour s'emparer de ce marché, une nouvelle génération de trafiquants va bâtir des organisations criminelles puissantes. On les appelle les barons de la drogue. À travers eux, se dessinent quatre stratégies de pouvoir qui vont transformer le trafic de drogue en une industrie mondialisée. Le crime organisé est le secteur le plus agile du monde. Vous le réprimez, vous le pressurez, il s'adaptera simplement aux conditions existantes. Comme l'eau, il suit le chemin de moindre résistance et il contourne toujours les obstacles. Sur les cendres de l'ancien monde, le trafic se réorganise à une vitesse folle. Au Mexique, les paysans qui produisent pavot et marijuana depuis les années 20 sont les premiers à le comprendre. L'élimination de la French Connection a été quelque chose d'incroyable pour les communautés paysannes. Le prix de l'opium a triplé, a quadruplé en seulement quelques mois. Dans les montagnes fertiles du Sinaloa, les champs de pavot se multiplient. La DEA, aux aguets, lance une gigantesque opération avec l'armée mexicaine. En 1976, Washington fournit de quoi déverser toutes sortes de pesticides sur les champs de pavot et de marijuana. Des villages entiers doivent migrer. Petits producteurs et contrebandiers sont emprisonnés. Les paysans qui ont survécu à la violence ont survécu en devenant de bien meilleurs négociateurs, en étant beaucoup plus innovants, que ce soit dans la manière dont ils font de la contrebande que dans les substances qu'ils trafiquent. Les rescapés de cette vaste opération déplacent leur production et vont s'organiser sous l'égide d'un trafiquant, issu lui aussi d'une famille pauvre du Sinaloa, Félix Gallardo. C'est un personnage très intéressant. C'est un ancien policier fédéral.
Donc il comprend bien les rouages de la police, ce qui est important pour tout trafiquant de drogue. Il a aussi été le garde du corps du gouverneur de Sinaloa. Donc, il comprend le monde politique. Et il comprend le monde du trafic de drogue. Avoir un pied dans ces trois mondes, c'est la recette du succès. Félix Gallardo s'installe dans la deuxième ville du Mexique, Guadalajara. En fédérant les producteurs et trafiquants les plus habiles, il va rafler la quasi-totalité du marché de l'héroïne et de la marijuana du pays. Le premier grand cartel mexicain est né. Le cartel de Guadalajara accumule rapidement une fortune colossale. Félix Gallardo devient membre du conseil d'administration d'une banque mexicaine. Et il blanchit massivement l'argent de ses trafics internationaux et de tous les membres de son groupe. Grâce à sa banque, Félix Gallardo réinvestit son argent dans des activités légales. Devenu un businessman respecté, il se fond avec délectation parmi la bonne société mexicaine. La répression lancée quelques années plus tôt n'a pas permis de freiner l'ascension du premier baron de la drogue mexicain. Pire, elle l'a même facilité. Plus il y a de répression des forces de l'ordre, et plus la sélection naturelle opère. Seuls les plus habiles survivent. Ce sont les trafiquants qui sont les plus doués pour échapper aux forces de l'ordre, ceux qui surpassent leurs rivaux parce qu'ils sont plus intelligents ou plus agressifs, ceux qui savent mieux que les autres corrompre au minimum les autorités locales qui restent sur le ring. Alors que le flot d'héroïne ne faiblit pas à destination du marché américain, une drogue refait surface du fin fond de la cordillère des Andes. La cocaïne. Au Pérou et en Bolivie, où la feuille de coca est utilisée depuis des siècles pour lutter contre la faim et l'altitude, la magie de la chimie opère. Quand on voit comment se fabrique cette drogue, on n'a vraiment pas envie d'y goûter. Les feuilles de coca macèrent 3 jours dans le kérosène. Ensuite, le jus recueilli est mélangé à de la chaux pour une nouvelle macération. L'odeur est infecte. La redoutable chimie se poursuit avec des apports d'acide, d'éther, d'acétone. Au début des années 70, 1 gramme de coke vendu aux États-Unis rapporte $700. Extrêmement rare, la poudre blanche excite le monde de la finance, les loups de Wall Street, le quota de la jet set. C'est la drogue du capitalisme triomphant, la drogue de ceux qui ont tout réussi. Il y a même eu une couverture du Time Magazine, la drogue champagne. Voilà une drogue merveilleuse qui vous défonce et qui n'est pas addictive. Faux, totalement faux. Mais cela a eu des conséquences politiques. La DEA a reçu pour instruction de concentrer tous ses efforts d'investigation sur l'héroïne et de ne pas enquêter sur le trafic de cocaïne. La voie est libre pour exploiter ce marché à grande échelle. En Colombie, quelques criminels vont s'y atteler, sans rencontrer le moindre obstacle. Pays pauvre, la Colombie est un immense territoire de jungle et de montagne qui échappe au contrôle de l'État. Les contrebandiers y sont rois. La Colombie est un pays très libertaire dans sa tradition, où les gens rejettent la concentration du pouvoir de manière naturelle et instinctive. On ne peut que constater le rejet que suscite l'autorité. Toute forme d'autorité est rejetée. Dès le début des années 70, des trafiquants colombiens achètent de la cocaïne en Bolivie et au Pérou et l'acheminent aux États-Unis. L'engouement sur le marché américain leur rapporte des liquidités folles. À Medellín, un jeune contrebandier convainc d'autres criminels de changer d'échelle. Ensemble,
ils vont intensifier les livraisons et rafler le marché de la cocaïne. C'est la naissance du cartel de Medellín. Pablo Escobar était le grand exécutant. Tous les trafiquants devaient lui verser un pourcentage. Il leur fournissait toute une série de services en échange. D'abord, il garantissait les livraisons. Il rassemblait les chargements de différents trafiquants. Il s'assurait que tout soit livré aux États-Unis. Si une cargaison était perdue, il la remboursait. Il n'a pas inventé le trafic de cocaïne, il l'a industrialisé, jusqu'à lui faire atteindre une échelle immense. Le cartel de Medellín s'offre une flottille d'avions et déverse des tonnes de cocaïne dans le sud de la Floride. À Miami, la concurrence entre dealers fait rage. L'Amérique découvre la face sanglante de la cocaïne. Ralph, the shootout occurred at about 2:30 this afternoon when two or more Latin males entered the Crown Liquor Store here on the west end of the Dadeland Mall. They were followed by two or three other Latin males, and then the shooting began. Around Dade County, the bodies are piling up almost faster than they can be counted. Yesterday, two men were killed in Medley when they threatened an armed man. In a bloody 24-hour stretch, both Dade County and the aliens. There have been so many murders throughout Greater Miami lately that a special refrigerated truck is now being used by the Dade Medical Examiner's Office to store all the bodies. Saisi par l'ampleur de la violence, la DEA identifie le problème colombien. En 1979, le président Jimmy Carter impose à la Colombie un traité d'extradition. Tout trafiquant arrêté par la police colombienne sera jugé et emprisonné aux États-Unis. Escobar comprend la menace. Pour empêcher le Parlement de ratifier l'accord, il arrose massivement la classe politique colombienne. Mais il veut plus de garanties. En 1982, à 33 ans, Pablo Escobar entre en politique. Se présentant comme un riche homme d'affaires, il est élu député suppléant au Congrès colombien. El tratado de extradición viola la Constitución colombiana en 23 artículos, atenta contra los derechos humanos porque todo el pueblo colombiano está contra él y además porque es injusto. À partir de là, l'argent n'est plus son seul objectif. Il commence à penser au contrôle du territoire et au pouvoir comme objectif. C'est que derrière ce monsieur qui possédait l'un des plus grands business de la drogue au monde, il y avait un assassin, mais aussi un homme qui voulait prendre le pouvoir. Il voulait devenir président de ce pays. Infiltré au cœur de la démocratie colombienne, Pablo Escobar parvient à bloquer l'accord d'extradition. Aux États-Unis, personne n'imagine que ce jeune député est l'homme qui a fait de la cocaïne une puissante industrie. L'industrialisation du trafic de drogue est aussi en cours sur le continent asiatique. Avec la fin de la guerre du Vietnam et le départ des GIs, la Thaïlande est seule dans un océan communiste. Le royaume redoute les incursions sur son territoire. Un jeune chef de guerre va tirer profit de cette nouvelle donne politique. Il se fait appeler Khun Sa, le prince de la prospérité. Khun Sa est un personnage incroyable. Le genre de personne qui aurait pu avoir une vie de marchand sans importance, de paysan ou de petit commerçant, et qui devient un homme d'une puissance extraordinaire. Né en Birmanie, formé à la guerre dès son plus jeune âge, un temps milicien à la solde de la sanguinaire dictature birmane, Khun Sa fonde sa propre armée grâce au trafic d'opium. Bientôt à la tête de 2000 hommes en armes, il traverse la frontière et vend ses services au pouvoir thaïlandais. «
Il savait très bien sentir où réside le pouvoir et comment en retirer le maximum d'avantages. Des armes, l'immunité, le droit de trafiquer. Le royaume de Thaïlande accueille Khunsa à bras ouverts. Avec ses hommes en armes, il protégera la frontière thaïlandaise des agressions communistes. En échange, le prince de la prospérité a carte blanche pour ses trafics. Ses caravanes d'opium circulent d'une frontière à l'autre. Donc, le commandement suprême de l'armée thaïlandaise leur a fourni un camp de base, les a protégés et, évidemment, a perçu une partie de leurs profits. Khunsa a bâti un très grand laboratoire d'héroïne et est devenu un puissant baron de la drogue. Khunsa est repéré par la DEA. Mais la Thaïlande refuse de livrer son précieux allié à Washington. Face à cette impasse, des membres du Congrès américain tentent une nouvelle approche. L'un de leurs émissaires va négocier avec Khunsa sous le regard du documentariste britannique Adrian Cowell. As we had introduced Joan Ellis, chief counsel of the Congressional Committee, we were allowed to film this historic meeting. Only the president and the administration yeah. has the authority mm-hmm. to make agreements mm-hmm. concerning the purchase mm-hmm. of opium. Let me ask Khunsa, what would have to be done to eliminate opium production in the Shan states? We want you to, you know, help make contact to the persons, you know, who can come and collect all the opium grown in our country, either to throw it or to burn it. Dans ce jeu diplomatique, Khunsa ne se présente pas comme un trafiquant, mais comme le défenseur de son peuple, les Shan, violemment réprimés en Birmanie. L'État Shan est aussi la principale zone de production d'opium du Triangle d'Or, une région convoitée en guerre perpétuelle. Au sein de son armée, il y avait bien sûr des gens qui se battaient sincèrement pour la cause des Shan, mais aussi beaucoup d'autres qui avaient des objectifs économiques. Et Khunsa était très fin dans la manière dont il jouait de ses groupes au sein de son armée. Disant publiquement qu'il se battait pour les droits des Shan et en même temps tirant un maximum de profit du trafic de drogue. Il était très fort à ce jeu-là. Khunsa assure qu'il a le pouvoir de rassembler toute la production d'opium de l'État Shan pour la remettre aux États-Unis en échange de plusieurs millions de dollars afin d'aider son peuple. Le projet remonte jusqu'à la Maison-Blanche, mais Washington préfère la manière forte. Pour éradiquer l'opium du Triangle d'Or, les États-Unis arment le pouvoir birman et ses généraux sanguinaires. Les hélicoptères américains ne détruiront aucun champ d'opium. Ils s'abattront sur les minorités entrées en rébellion. Le prince de la prospérité peut poursuivre son ascension. L'opium alimente toujours ses laboratoires. Protégé en Thaïlande, le trafiquant augmente sa production et se fait désormais appeler le roi de l'héroïne. Au même moment, en Europe. Au milieu des années 70, quelques riches mafieux de Cosa Nostra récupèrent les chimistes de la French Connection. Surnommés les parrains de Palerme,
ils font venir l'opium du Moyen-Orient et implantent des laboratoires sur la côte sicilienne. Les parrains de Palerme créent un réseau de distribution aux États-Unis dans des pizzerias de la région de New York, bientôt baptisée par le FBI la Pizza Connection. Très vite, les sommes en jeu deviennent astronomiques. En Sicile, les banques sont incapables d'éponger tout le cash généré par le trafic. Localement, vous avez une explosion du système bancaire. Et puis évidemment, une partie de cet argent va migrer vers des pays accueillants et respectant le secret bancaire, la Suisse aussi, et tout un système d'encastrement, de brouillage des pistes. On a mis en place, depuis le début du XXe siècle, un système financier parallèle pour échapper à toutes les législations fiscales des États. Et les mafias se rendent compte, quand elles commencent à avoir beaucoup d'argent, eh bien, que ce système est magnifique parce qu'ils peuvent l'utiliser. Ce ne sont pas les mafias qui ont créé ce système. C'est le système capitaliste, financier. Tout est fait, tout est organisé pour que tout reste secret. Sur l'île, les nouveaux riches de la mafia exhibent outrageusement leurs voitures de luxe, leurs yachts privés. Les autres familles mafieuses qui ne profitent pas de ce butin colossal sont excédées. Les parrains de Palerme s'en moquent. Ils ont à leur côté des hommes de main redoutables. Issu du petit village de Corleone, leur chef, Totorina, est le plus sanguinaire de tous les tueurs jamais recrutés par Cosa Nostra. Borina, tuer un homme, était aussi anodin que d'allumer une cigarette. Quand quelque chose ne tournait pas rond, il disait « on tue ». Personne n'allait contre la volonté de Rina, parce que s'il le faisait, il savait qu'il ne rentrerait pas à la maison pour dîner. Les parrains de Palerme n'ont vu chez Rina qu'un psychopathe sans cerveau. Mais au lieu de liquider les familles fâchées avec l'organisation, Totorina les rassemble et souffle sur les braises. Les différents clans lui offrent des tueurs par dizaines. En avril 1981, éclate ce qui a été appelé, à tort, la guerre de la mafia. En réalité, ce n'était pas une guerre, car une guerre suppose qu'il y ait deux armées qui s'affrontent et que la plus forte gagne. Ici, il n'y avait qu'une armée, celle de Rina. C'était une liquidation. Il tuait des gens dans la rue, il jetait des cadavres devant les commissariats. Il procédait à des exécutions spectaculaires, alors que généralement, les mafieux, dans la vieille tradition sicilienne, ils utilisaient ce qu'on appelle la lupara bianca, c'est-à-dire le meurtre sans cadavre. Pour que justement persiste le doute, mais non, il n'est pas mort, je l'ai vu qui partait aux États-Unis. Totorina laisse dans son sillage plus de 2000 cadavres, et prend la tête de Cosa Nostra. Sous son règne, étourdi par les sommes folles que lui rapporte l'héroïne, la mafia sicilienne fait sauter les dernières digues. En 1982, le député communiste Piola Torre soumet un projet de loi anti-mafia au Parlement. Quelques semaines plus tard, il est assassiné. Dans la phase précédente, quand tout se faisait dans la clandestinité, quand les projecteurs étaient éteints, on va dire qu'une bonne partie de l'État regardait ailleurs, pour utiliser un euphémisme. Grâce à Rina, grâce entre guillemets, on ne pouvait plus se permettre de regarder ailleurs. Il fallait envoyer un signal fort et montrer que l'État était présent et qu'il répondait. Le lendemain de la mort du député communiste, un nouveau préfet est nommé en Sicile. Un homme connu pour sa lutte contre le terrorisme, le général Dalla Chiesa, assassiné à son tour. Totorina, à partir des années 80, il est pris d'une sorte d'hubris, il pense qu'il peut devenir le boss de tous les boss, mais en plus, il a cette idée complètement folle qu'il est capable de rivaliser avec l'État, voire même de dire... On lui prête ce mot, en Sicile, l'État, c'est moi. La violence saisit d'effroi toute la classe politique, y compris les plus corrompus. Le Parlement adopte la loi du député communiste assassiné. Le mot « mafia » fait son apparition dans le code pénal italien.
l'ennemi est identifié. Les premiers laboratoires sont démantelés. Des dizaines de petits mafieux sont arrêtés, mais il en faut plus pour déstabiliser l'organisation. La poudre de Cosa Nostra inonde New York. En 1982, la ville concentre la moitié des usagers d'héroïne du pays, 200 000 toxicomanes. Pour le président Reagan, le défi de la drogue dépasse celui qu'affrontait Nixon. À l'héroïne s'ajoute une nouvelle épidémie. Le pays compte plus de 10 millions de consommateurs de cocaïne. Le président mobilise toutes les forces spéciales en Floride. Pour le cartel de Medellín, les pertes sont sévères. Escobar se rend à l'évidence, il faut trouver d'autres routes. Voilà comment, en 1984, quelque part au Mexique, le cartel de Medellín rencontre le cartel de Guadalajara. Les Colombiens se sont dit, si nous ne transportons pas la drogue nous-mêmes aux États-Unis, peut-être que la DEA ne nous traquera pas. Si nous la vendons aux Mexicains, la DEA ne pourchassera que les Mexicains. Ce qui est évidemment assez bancal, puisque si vous êtes impliqué à n'importe quel niveau de la chaîne du trafic, vous êtes passible de poursuites. Ils s'allient avec les Colombiens pour transporter la cocaïne et leur offrent le meilleur atout que possède le Mexique pour le narcotrafic, qui est la frontière avec les États-Unis, qui est impossible à contrôler. Et les Colombiens leur ont dit, nous avons besoin que vous transportiez des tonnes et des tonnes de cocaïne. Les trafiquants mexicains tiennent toutes leurs promesses. Des tonnes de cocaïne passent la frontière vers les États-Unis. Le cartel de Guadalajara devient tout puissant. À l'automne 1984, la DEA n'a pas encore saisi le tournant majeur qui vient de s'opérer. L'un de ses agents, Enrique Camarena, découvre une plantation gigantesque de marijuana, des centaines d'hectares immédiatement détruits. Quelques mois plus tard, l'agent de la DEA, Enrique Camarena, disparaît. On ne savait pas ce qui était arrivé à notre agent, ce qui était arrivé à l'agent Camarena. Nous ne savions pas et nous ne parvenions pas à obtenir une réponse claire du gouvernement mexicain. Et c'est là que nous avons fermé la frontière. Le gouvernement mexicain a alors dit aux trafiquants qu'il fallait rendre le corps, parce qu'ils savaient qu'il était mort. Le corps atrocement mutilé d'Enrique Camarena réapparaît. On découvrira plus tard que l'agent spécial a été kidnappé par la police avec la complicité des services secrets mexicains et remis au cartel de Guadalajara. Les principaux associés de Gallardo seront arrêtés. Le baron, lui, plonge dans la clandestinité. Ce que l'enquête a révélé, c'est le très haut degré de corruption au Mexique, à un niveau qui n'avait jamais été exposé au grand jour jusqu'ici. Cela a dévoilé la corruption massive des services secrets et des agents du renseignement. Et c'est évidence. C'était eux les véritables capos. C'était eux qui déterminaient quel trafiquant de drogue régnerait sur quel territoire. Et ils s'octroyaient des sommes immenses issues du trafic. On dit que cet argent remontait jusqu'au ministère de l'Intérieur. L'enquête de la DEA étale au grand jour le secret le mieux gardé du système politique mexicain. Le parti unique, le PRI, qui s'impose dans les années 30, maintient son emprise en raquettant toutes les activités économiques, légales et illégales. Et lorsque le trafic de drogue s'enracine au Mexique, le pays devient un narco-État. Beaucoup de gens disent que le narcotrafic a pénétré le gouvernement mexicain. Je ne pense pas que le gouvernement mexicain ait été pénétré par quoi que ce soit. Le narcotrafic mexicain, la contrebande de drogue, fait partie intégrante du système. Les hommes qui gèrent le trafic au Mexique, en fin de compte, l'État leur propose un deal. Associez-vous au PRI et nous veillerons sur vos intérêts.
Une offre impossible à refuser. S'ils ne l'acceptaient pas, l'État les écrasait. En Colombie, la vérité éclate au grand jour au même moment. En 1984, le nouveau ministre de la Justice, Rodrigo Lara, va trouver le courage de démasquer Pablo Escobar. Colombia tiene su parte de compromiso en la droga porque es un país utilizado como punto de tráfico, como centro de procesamiento y como sitio de producción. Devant les députés, Rodrigo Lara accuse publiquement Pablo Escobar d'être un narcotrafiquant. El señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. Trop sûr de lui, Escobar a oublié un détail. Une petite affaire remonte à la surface. Un journaliste du grand quotidien El Espectador retrouve dans les archives de sa rédaction un article de 1976. Le jeune Pablo Escobar interpellé en possession de 19 kilos de cocaïne. Pour la première fois, nous avions trouvé la preuve que Pablo Escobar, à qui personne ne pouvait rien dire parce qu'il n'y avait pas de preuve, était profondément impliqué dans le narcotrafic. Dans un acte surprenant, le Congrès lui a retiré son immunité parlementaire et Pablo Escobar est entré en clandestinité. Il ne sera plus jamais un homme politique officiel, ni un narcotrafiquant officiel. Le ministre Rodrigo Lara part en croisade. Il bloque les avions d'Escobar et détruit ses laboratoires installés dans la jungle. Il s'est lancé dans une course suicidaire contre Escobar. Il a signé son arrêt de mort. Le 30 avril 1984, à Bogota, Rodrigo Lara est abattu par un adolescent, tueur du cartel de Medellín. C'est une déclaration de guerre. Le président colombien riposte. Le traité d'extradition voulu par Washington est ratifié. Pablo Escobar se retranche à Medellín, protégé par la population, pour qui il a fait construire logements, écoles et stades de foot. Escobar recrute une armée de 2000 adolescents. Ces sicaires liquident tous ceux qui menacent le règne de Pablo Escobar. Journalistes, juges, policiers, hommes politiques. Malgré le danger, la justice accumule les preuves pour extrader le patron du cartel de Medellín. En 1985, Escobar pactise avec une guérilla marxiste, le M19, qui prend d'assaut le palais de justice de Bogota. Le dossier de Pablo Escobar est détruit. Après deux jours de combat, le palais de justice est consumé par les flammes. Pour les barons de la drogue, le passage en politique se révèle payant. Jouant de leur image de défenseurs des plus pauvres, des victimes d'un État répressif, il capitalise un fort soutien populaire. Et plus l'État les attaque, plus il se renforce. Au cœur du triangle d'or, Kunsa en fait la plus parfaite démonstration. Au début des années 80, la géopolitique a totalement changé dans la région. La Chine est entrée dans le concert des nations. La paix revient et le royaume thaïlandais n'a plus besoin de ses alliés encombrants. Le roi de l'héroïne, devenu inutile, est chassé et trouve refuge en Birmanie, sa terre natale. Kunsa implante ses laboratoires dans l'État Shan sans rencontrer la moindre opposition de la part de la dictature birmane. Il a dû les payer, donner de l'argent au commandant de l'armée dans la région. Il est difficile d'apporter des preuves, évidemment, mais si l'on regarde la façon dont les choses se sont développées au cours des années, il est assez évident qu'il y a eu des petits arrangements. Il a essayé de nouer des relations avec les généraux de l'armée birmane, les commandants.
et ils sont devenus amis. La dictature birmane est l'une des plus répressives au monde. En 20 ans de pouvoir, les militaires ont appauvri le pays et provoqué le soulèvement de dizaines de minorités. En faisant de Khunsa leur allié, les généraux birmans s'achètent la paix dans l'État Shan, un quart du pays. Khunsa leur offre ce qui compte le plus à leurs yeux, la stabilité dans une région en permanente rébellion. Khunsa fait quelque chose d'extraordinaire. Petit à petit, en assassinant les autres leaders, en utilisant des menaces de mort, il a forcé les Shan, le mouvement Shan qui était très divisé, à le respecter de plus en plus comme leur leader. Et il a bâti une armée de 20 000 hommes. Il disait qu'avoir une grande armée ne sert pas à se battre. J'ai une grande armée parce que je ne veux pas me battre. Si j'ai une petite armée, l'armée birmane essaiera toujours de me trouver et de m'éliminer. L'armée birmane n'attaquera pas Khunsa. Et Khunsa pourra continuer à se présenter comme le grand défenseur de son peuple, les Shan, tout en faisant tourner à plein ses nouveaux laboratoires. Khunsa inonde le monde d'héroïne et vend sa drogue à prix cassé. Dans les années 80, en Europe, les seringues passent de bras en bras. L'addiction et le sida se répandent, semant la mort. Vers 1981, la Birmanie produisait environ 500 tonnes d'opium par an. En 1989, elle en produisait 2500, une augmentation de 500%. Probablement la croissance la plus rapide que l'on ait jamais vue dans l'histoire de la production d'opium. À des milliers de kilomètres de là, en Sicile. Pour s'attaquer au parrain de Cosa Nostra, Totorina, les juges les plus téméraires se rassemblent au sein d'un pool anti-mafia autour de deux figures charismatiques, Paolo Borsellino et Giovanni Falcone. Pensez-vous qu'un jour, nous verrons la fin de la mafia? Je crois que nous ne la verrons ni vous ni moi. Un jour, il m'a dit cette phrase. Tu sais, Giuseppe, la drogue ne laisse pas de traces. Tu tombes sur un flagrant délit et tu saisis, ou rien. Mais l'argent laisse des traces. Il était évident qu'il fallait s'attaquer au patrimoine des mafieux. On va s'intéresser aux flux financiers. Donc lui va vraiment, avant même qu'il y ait une législation anti-blanchiment, essayer de suivre l'argent sale et attaquer, entre guillemets, les mafieux au portefeuille. Donc il va effectivement mener des enquêtes financières très poussées, ce qui va dire qu'il va aussi apprendre énormément du fonctionnement des marchés financiers, des systèmes bancaires, du secret bancaire. Le juge Falcone suit la piste financière dans les paradis fiscaux, en Suisse, au Panama, à Guernesey, et lance plus de 20 000 investigations bancaires. La méthode Falcone, suivre l'argent, traverse l'Atlantique. Aux États-Unis, le juge noue des liens avec le FBI pour traquer la Pizza Connection. Étant donné qu'il n'y avait jamais eu d'enquête de ce type, les mafieux faisaient des chèques en toute tranquillité. J'ai vu passer des chèques d'1 milliard de lire. Parce qu'ils étaient sereins. Personne avant n'était allé chercher dans les banques. En 1983, l'un des plus grands parrains de Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, est arrêté au Brésil. Le juge Falcone le rencontre et, chose folle, le mafieux brise l'omerta. Lui
a été une victime de la répression féroce de Totorina qui a tué quasiment toute sa famille. Il est donc seul et pour se venger, il va révéler tous les secrets du fonctionnement intérieur de Cosa Nostra au juge Falcone. Le témoignage de Tommaso Buscetta accélère les enquêtes financières de Falcone et du FBI. Une vague d'arrestations permet l'ouverture des deux plus grands procès jamais intentés contre la mafia. Le maxi-procès de Palerme et celui de la Pizza Connection. En Sicile, 450 suspects sont sur le banc des accusés. Au terme de 2 ans de procès, le verdict tombe. 360 condamnations. Un total de 2500 années de prison. Totorina, en cavale, est condamné à perpétuité. À New York, les patrons de la Pizza Connection et leurs associés tombent également. On n'a jamais saisi ne serait-ce qu'un gramme d'héroïne. Tout a été reconstruit grâce à la coopération internationale et les virements bancaires. S'il n'y avait pas eu Falcone, toute cette enquête n'aurait pas pu être menée. Grâce à Falcone, les termes « blanchiment d'argent sale » et « compte offshore » entrent dans le langage courant. Le juge italien vient de trouver l'arme fatale qui peut briser tous les trafics, traquer l'argent là où il est, dans les banques. Cela fait bien plus peur aux trafiquants que l'élimination de leur chef. Et quand il est question de blanchiment d'argent, c'est sur les marchés internationaux que l'on peut porter des coups sévères. On attaque le trafic de drogue par le blanchiment, alors que la question du blanchiment, elle est immensément plus large que seulement ça. L'argent, on fait tout pour qu'il puisse circuler de façon la plus libre possible. Il y a une dérégulation qui fait qu'il y a une fluidité des mouvements des capitaux, des personnes et des marchandises. Mais chaque État reste libre aussi de faire de son État un paradis fiscal ou non, d'avoir un régime fiscal ou un régime d'anonymat bancaire spécifique. Mais en ces premières années de mondialisation financière, aucun État ne peut se permettre de toucher au fondement du système. Reagan revient aux méthodes anciennes, la force et la diplomatie. En 1988, au Mexique, Félix Gallardo est lâché par le pouvoir. Mais depuis sa prison, le trafiquant dissout son cartel et répartit les territoires entre les jeunes loups. On perd la trace d'une grande organisation facilement identifiable. Désormais, chaque poste frontière est contrôlé par un nouveau cartel. Washington ne le comprendra que bien plus tard. En 1989, quelques semaines après la chute du mur de Berlin, les États-Unis envahissent le Panama et font tomber son dictateur Manuel Noriega, allié de la CIA et des narcotrafiquants. Dans sa lutte anti-drogue, l'Amérique se libère de ses logiques de guerre froide. En Colombie, la rumeur d'une intervention militaire de Washington fait la une des journaux. Pablo Escobar ne veut pas finir dans une prison américaine. Sa tête, il faudra venir la prendre sur une montagne de cadavres. Tant que le Parlement n'annule pas le traité d'extradition, ce sera la terreur à tous les coins de rue. Après une série d'attentats aveugles, Escobar fait abattre 4 candidats à la présidentielle. Le favori, Luis Carlos Galán, est assassiné en plein débat public. Il est remplacé par son chef de campagne, César Gaviria, qui échappe de peu à un attentat. Jusqu'à aujourd'hui, il nous est difficile de comprendre la gravité des défis qui se présentaient à nous à cette époque. Les complicités, par exemple, au sein des forces de l'ordre, de la police, de l'armée, dans la mort de certaines personnalités. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que quand on regarde ces complicités, on se rend compte du peu de contrôle que nous avions sur le pays. Les cartels avaient fait de la Colombie un véritable enfer.
Élu président de la Colombie, César Gaviria occupe l'un des postes les plus dangereux au monde. Pour arrêter le carnage, il négocie les conditions d'une paix avec Escobar. En échange de son arrestation, il lui promet de réviser la Constitution et d'en retirer le traité d'extradition. Le défi était immense. Il s'agissait de trouver une réponse qui ne soit pas autoritaire, mais démocratique, à une crise d'une violence terrible. Le 19 juin 1991, le patron du cartel de Medellín se rend. Dans le salon de sa prison dorée, décorée à son goût, Pablo Escobar a accroché son propre avis de recherche lancé par la DEA. Por Colombia, denuncia a los narcotraficantes. Se buscan Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. Mais Escobar ne reste pas dans son palace bunkerisé. Très vite, il sent qu'il perd la main sur le trafic et s'évade. Ses concurrents et ses associés qui ont profité de son absence vont unir leurs forces pour le faire tomber. Les criminels se rapprochent de la police colombienne. Grâce à leurs tueurs et à leurs informateurs, la traque des policiers progresse rapidement. C'est un très grand risque qui a été pris. Et c'est une chose que j'ai toujours questionnée dans cette lutte contre les drogues. Que pour en finir avec un trafiquant, l'État s'allie avec son ennemi. Le 2 décembre 1993, Pablo Escobar est abattu sur un toit de Medellín. Il aura fallu que tous les efforts se combinent, DEA, police colombienne, trafiquants de drogue, pour venir à bout du plus grand trafiquant de cocaïne au monde. Le 25 mai 1992, l'Italie tout entière est en deuil. Et dans l'église, la voix d'une femme s'élève. A nome di tutti coloro che hanno dato la vita per lo Stato, chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia, adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Io vi perdono, però mi dovete mettere in ginocchio. Se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. Se avete il coraggio di cambiare, di cambiare. Oh, che coraggio. Dans les cercueils, les corps de Giovanni Falcone, son épouse et leurs trois gardes du corps. Mort soufflé par une bombe. Derrière ce crime mafieux, la foule voit la responsabilité du système politique qui a toujours protégé Cosa Nostra. Dès qu'un élu apparaît, c'est la tornade. À son tour, le juge Paolo Borsellino meurt dans un attentat à Palerme. On attend toujours les réponses, on ne sait pas. Et il y a des éléments aussi qui n'ont pas été révélés, hein, des archives qui ne sont pas encore dévoilées. Mais c'est certain que dans les attentats contre Falcone et Borsellino, il y a rien que la quantité d'explosifs. Ça aurait été difficile pour la mafia, même avec ses connexions, d'avoir accès à autant d'explosifs sans que ça se voit. Ça fait quand même beaucoup de zones d'ombre. Voilà. Proche des deux juges italiens,
des enquêteurs du FBI viennent en renfort avec des techniques nouvelles. Pour la première fois en Europe, on relève les empreintes ADN sur les lieux des attentats. Plus de 1000 personnes sont arrêtées. La stratégie de Totorina se retourne contre lui. Trahi par les siens, le parrain des parrains est incarcéré en 1993 et mourra en prison 25 ans plus tard. Cosa Nostra est fragilisée par les arrestations et les repentis. La mafia sicilienne est écartée des réseaux de la drogue et replonge dans l'invisibilité. Pour Cosa Nostra, l'ère des barons s'achève ici. Il ne reste qu'un seul grand baron encore en place, Kunsa. Mais le roi de l'héroïne vient de franchir la ligne rouge. En 1993, il proclame l'indépendance de l'État Shan. La junte militaire déploie immédiatement ses troupes contre lui. Kunsa n'a plus le choix, il négocie sa reddition. Without a shot fired, Burmese troops dominated Kunsa's capital. En 1996, le roi de l'héroïne, déchu, obtient la garantie de profiter d'une retraite paisible, entouré des siens. Il était sans doute l'un des plus grands barons de la drogue. Pourtant, quand il est tombé, la chute du plus grand baron de l'histoire a eu très peu d'impact sur le trafic. L'ère des barons aura fait passer le trafic de drogue au niveau des grands produits de consommation. Le business de l'héroïne et de la cocaïne pèse aussi lourd dans l'économie mondiale que le textile. Qui peut croire que la fin des barons résout le problème ? Une troisième génération va bientôt prendre la relève.